Hello, c'est Direct Style, excusez-moi, c'est Direct Style et Direct Is a Mode pour vous présenter la vidéo d'un iPod trop calmement HS de l'écran et on peut quand même retrouver les bases de l'écran en appuyant sur certains points H de l'écran. Voilà, donc c'est Jailbreak is a mode. Donc, je vais vous montrer un iPod HS. Pas complètement HS parce que le moteur intégré est toujours en fonction, en état de marche. Mon frère peut vous le montrer avec iTunes. Hein, il y a même des mises à jour à faire. Voilà, donc il est détecté sur mon iTunes, iPod, bon, etc. Et on peut même le mettre en la mise à jour marche en bon, 4.3.5. Je vais pas le faire parce que même si il est HS, je vais garder bon, le direct. Donc bon, etc. Voilà, on va pas tout vous montrer parce que c'est pas. Bon voilà, donc en gros la base tactile de cet iPod est capoute et avec certains points d'impact sur l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous les voyez. Hein, attendez, on va y voir mieux. Là, on peut voir que il y en a une là, hein, une grosse là. Là, c'est vraiment bien brisé là de ce côté. Là, on a carrément la caméra frontale qui est presque morte, hein, mais réutilisable, je pense. Hein, on a les deux vis. Il est tombé à plat de toute façon, donc c'est pour ça. Après, on a le corps métallique qui est en état de marche, qui peut marcher. Donc, c'est la base tactile qui ne répond plus. Par contre, avec des points, on peut trouver une image. Hein, on peut avoir des informations d'image. Donc là, j'en ai trouvé un spécialement. Hein. C'est celle-là. Donc, si j'appuie bien, ça marche. Voilà. Donc, en fait, là, nous avons un point. Bon, c'est voilà, c'est la batterie n'est pas gérée. Donc, si j'appuie bien, voilà. Hein. C'est carrément le circuit déverrouillé. Il y a des pixels qui ne répondent plus. Hein. Comme ça se voit. Hein. Voilà. Vous voyez en bas là, ça ne répond plus. Le bouton est en état de marche. Les caméras aussi. Voilà. Je laisse la parole à mon frère. Pour faire une comparaison avec le iPod Touch normal, voilà, tout simplement, il y a une différence, mais et sur cet iPod, le tactile ne marche plus. Voilà, donc, que sinon, je sais que ça fait un peu pitié, mais voilà, c'était par rapport à ça, c'était Jailbreak Isamog Mode et Jailbreak Style. Pour une prochaine vidéo, abonnez-vous à mon canal de vidéo juste en marquant là-haut, il y a marqué s'abonner. Voilà, donc ça sera vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. Allez, au revoir.